Allô? C'est que si la charge n'est pas bonne, son secondaire sera plus gros. Je l'ai trouvé sur Internet quand je cherchais des précisions sur les précisions. Sans être avis. Bien, bonjour à toutes et à tous, Dominique Brun, Droit France. Bienvenue donc à ce Webex sur Historian Server. L'objectif au travers de ce Webex étant de vous présenter donc le produit Historian Server en vue d'archiver les données donc d'une application InTouch. Alors, en termes de déroulement, classiquement, le Webex va se dérouler en trois parties. Dans la première partie, ce sera une présentation des fonctionnalités au travers d'un PowerPoint. La deuxième partie va être réservée à une partie présentation, donc pratique du produit. Et enfin, la dernière partie va être consacrée donc à la réponse aux différentes questions que vous avez posées lors du déroulement du Webex. Voilà, là encore de manière très classique, on va patienter encore quelques secondes pour accueillir les derniers participants de ce Webex. Et donc je vous retrouve dans 5 minutes à 16h05. Merci à toutes et à tous et à tout de suite.
Bien, de nouveau, donc Denis Librin, Wandora France. Voilà, je vous propose de démarrer ce Webex, on peut le rappeler. Ce Webex va être destiné à vous présenter donc les fonctionnalités d'Historian et voir comment Historian peut répondre à une fonction d'historisation en vue d'archiver les variables d'une application InTouch. Alors, avant de regarder en détail précisément le produit Information Historian Server, je vous propose de redécouvrir la fonctionnalité native d'historisation InTouch, à savoir donc basée sur les fichiers d'historique. Donc vous l'avez, j'imagine, tous et toutes mis en œuvre, mais vous avez peut-être au fil du temps remarqué ou rencontré certaines contraintes en regard de l'utilisation notamment de l'objet graphique le Wizard traîne. Alors c'est vrai que cette fonctionnalité elle est extrêmement simple à mettre en œuvre. Mais comme je l'indiquais à l'instant, il y a quelques contraintes. La première, on peut le rappeler, c'est que derrière les fichiers d'Historic InTouch, vous avez un format propriétaire. Que l'enregistrement des données se fait uniquement sur changement de valeur, et donc à contrario, vous n'avez pas de possibilité d'archivage de manière cyclique. Autre contrainte également, vous n'avez pas non plus la possibilité, par exemple, de changer de manière dynamique les différentes bandes mortes associées aux variables analogiques. Vous n'avez pas non plus d'artifice, de moyens de contrôler le flux d'informations qui est archivé. Là encore, vous avez tous remarqué que vous disposez d'un seul objet graphique, je l'évoquais tout à l'heure, donc le Wizard Train, au travers duquel vous avez simplement un suivi des différentes variables et une représentation bien sûr graphique uniquement sur une échelle temporelle. Et donc à contrario, sur cet objet-là, vous n'avez pas de possibilité d'avoir des courbes de type XY. Bref, je vais arrêter cette liste de points et de contraintes. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous emmener vers une solution au travers de laquelle on va balayer bien sûr tous ces points. Et vous allez voir que cette solution est à la fois extrêmement rapide à installer et surtout rapide à mettre en place. Donc l'alternative pour assurer l'historisation des variables d'une application InTouch, bien pour cela, je vous propose d'opter pour le produit Information et le produit Historian Server, décidément. Donc la première caractéristique que l'on peut évoquer en regard d'Historian Server, c'est que c'est un système d'historisation totalement ouvert. Il est ouvert pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que les données pourront être réexploitées au travers de tout outil client capable de mettre en œuvre des requêtes SQL. Deuxième point, et non négligeable bien évidemment, notamment lorsque vous aurez une grande volumétrie d'informations à archiver ou à acquérir sur les drivers de publication, c'est un système d'acquisition haute performance. On peut le rappeler ou le citer. Il est capable de prendre en charge des collectes d'informations jusqu'à des flux de données de l'ordre de 100 000 valeurs par seconde. Son autre caractéristique, c'est d'aller collecter les informations directement sur les drivers de communication, de façon bien sûr à aller au plus près de la source pour récupérer ces différentes informations. On peut également, on a la capacité pardon, de délocaliser le service d'acquisition de données, c'est-à-dire que plutôt que ce soit le service local d'acquisition d'Historian Server qui prenne en charge l'acquisition, vous allez délocaliser volontairement le service sur une autre machine. L'avantage de cela, c'est que dans l'hypothèse où il y aurait une rupture de communication entre le serveur Historian et le poste distance sur lequel vous avez donc délocalisé l'acquisition, vous avez automatiquement un stockage local des données, indépendamment bien sûr de la période de rupture entre les deux, et vous aurez une remontée automatique des informations vers le serveur historien. Les autres points que l'on peut évoquer pertinents sur Historian Server, c'est notamment la compression des données. Donc vous avez un processus qui, dans un premier temps, prend en charge la collecte des informations, mais un autre qui les compresse, avec un taux de compression très important. L'autre point que l'on peut évoquer, ça concerne la configuration. Là encore, vous le verrez tout à l'heure dans la partie démonstration. Bien évidemment, on peut
effectuer la configuration au travers de l'outil qui vous est proposé à cet effet, donc la console de configuration d'Historian. Mais là encore, lorsque les besoins ou les variables sont relativement importants en termes de nombre, vous pourrez exporter la configuration dans un fichier Excel et faire cette configuration d'une manière très, très rapide et la réimporter dans la console d'administration. Voilà, vous avez d'autres avantages également d'utiliser ce produit. On va s'arrêter sur certains d'entre eux. C'est notamment le fait de disposer d'un moteur d'événements au travers duquel vous allez pouvoir implémenter un certain nombre de fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, je citerai par exemple la capacité de mettre en place des calculs d'agrégation, c'est-à-dire la capacité d'avoir des calculs de type min, moyenne, max, écart type, toutes les heures, toutes les 8 heures, tous les jours, etc. Autre exemple que je peux vous donner au travers de ce moteur d'événements, c'est notamment la capacité de capturer la valeur d'un ensemble de variables par rapport à un événement spécifique qui apparaît. Alors, l'autre point très important qu'il est bon de souligner en regard du produit Storyline Server, c'est que dans ce package, lorsque vous faites l'achat de ce produit, vous avez de manière implicite le portail Information Server. Vous comprenez maintenant pourquoi plusieurs fois tout à l'heure je vous ai parlé de ce produit Information Server. Donc n'oubliez pas, et là encore je me permets de répéter une dernière fois, dans le bundle, dans le packaging Historian Server, vous avez le produit Information Server. Alors bien évidemment, il vous faudra faire le choix d'une édition d'Historian en fonction de critères. Bien évidemment, le premier critère, ce sera la volumétrie des variables à archiver, et comme vous pouvez le découvrir dans le slide actuel, vous avez à votre disposition différentes éditions de ce produit. En regard de la première édition intitulée Express, c'est une édition donc qui se décline en deux tailles, 100 variables et 500 variables, donc manifestement dédiée à des petits projets, et notamment en termes de volumétrie. On verra tout à l'heure les caractéristiques de chacune de ces éditions. Pour l'édition standard, la plage en termes de variables supportées est beaucoup plus importante puisqu'on va de 500 variables à 150 000 variables. Et enfin, vous disposez d'une autre édition intitulée Enterprise qui, elle, va de 5000 variables jusqu'à 500 000 variables. Donc 500 000 variables, ça, ce sont effectivement des nouveautés comme c'est signalé dans le slide, dans le PowerPoint. Dans la dernière version, on peut la rappeler, qui est la version 2012 R2. Vous disposez donc de nouvelles références de ce produit, notamment des références donc pour supporter des charges variables de 200 000, 300 000, 400 000 et enfin 500 000 variables. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur chacune de ces éditions pour peut-être reclarifier si besoin est les choses. Donc, en regard de l'édition Express, on a évoqué les tailles, je ne reviendrai pas sur ce point-là. Le seul point que je rajoutais, c'est l'obligation d'être utilisé sur un environnement de type station de travail, c'est-à-dire Windows XP, Vista et 7. Autre particularité de cette édition, dans cette édition dite Express, vous n'avez pas la capacité de réimporter les fichiers d'historique LGH LeanTouch. Alors, on va balayer maintenant les éditions dites standards, mais en fait, elles se déclinent en deux parties. Vous avez une édition standard dite locale, qui est encore une nouvelle référence, qui est déclinée dans une seule référence, puisqu'elle est limitée à un maximum de 25 000 variables. Comme vous pouvez le voir, son prix est très attractif, 2 800 euros. Elle a simplement une restriction, elle est limitée en termes de relecture aux 7 derniers jours d'historisation. Donc, indépendamment des outils clients utilisés, que ce soit des outils clients en moins d'horaire ou non moins d'horaire, la relecture, l'extraction des données sera toujours limitée aux 7 derniers jours d'historique. Voilà donc pour cette nouvelle édition, ne l'oubliez pas, une édition standard, locale. Pour la suivante, l'édition standard, bon, il n'y a pas de particularité spécifique. On a parlé du découpage de variables. Là encore, le seul point que je rajouterai, c'est le support de l'environnement Windows, l'obligation d'être installé sur un OS de type serveur, Windows Server 2008, 2012, 2012 R2.
dans la limite bien sûr de 4 processeurs physiques au niveau de cette machine. L'édition dite Enterprise, les particularités. Alors, une des particularités de cette édition, c'est notamment de supporter une fonctionnalité du produit qui s'appelle l'architecture multiniveau ou tiers 1, tiers 2, pour démystifier un petit peu cette fonctionnalité. En quelques mots, c'est la capacité à ce qu'un historien ou plusieurs historiens locaux poussent leurs données respectives vers un autre historien serveur qui lui agirait en fait comme un concentrateur d'informations. Donc cette fonctionnalité, donc tiers 1, tiers 2, indirectement de type concentrateur, elle n'est disponible qu'au travers d'un historien serveur de type Enterprise. L'autre point qui vous obligerait à faire le choix d'une édition historien serveur de type Enterprise, ce serait précisément les caractéristiques physiques d'une machine, à savoir si votre machine disposait de plus de 4 processeurs. Donc si vous avez une machine équipée de plus de 4 processeurs, il vous faudrait obligatoirement passer avec cette édition dite Enterprise. Donc voilà pour les aspects purement licence et puis l'utilisation des environnements Windows associés. On va s'intéresser bien sûr maintenant à l'exploitation des données, notamment on peut l'imaginer à l'exploitation des données archivées d'historiens au travers d'une application de supervision. Alors pour ce faire, vous avez là encore deux solutions à votre disposition pour intégrer une solution d'extraction de données d'historien dans une application de touch. Première solution, c'est d'utiliser un contrôle Activity qui vous est fourni de base ou une fourniture équivalente fournie sous forme d'un contrôle .NET. On peut le rappeler, l'utilisation de contrôle .NET au sein d'une application InTouch ne peut se faire qu'au travers de l'utilisation des symboles Orchestra. A contrario, l'utilisation de contrôle ActiveX ne peut pas se faire dans un symbole Orchestra, mais uniquement au sein même d'un Synoptic InTouch. Dernier point, bien évidemment, l'utilisation de l'un ou de l'autre de ces objets, l'ActiveX ou le contrôle .NET, est soumis à l'achat d'une licence, bien sûr, Historian Client. Alors, l'autre alternative que vous auriez, c'est d'utiliser un contrôle .NET qui vous est fourni de base au travers de l'achat d'un InTouch, qui vous est montré là encore dans la présentation, dans le slide actuel. Donc, ce contrôle .NET s'appelle Trend Client. Il regroupe, on peut dire, plus des trois quarts des fonctionnalités de l'ActiveX du contrôle .NET que j'évoquais tout à l'heure, avec néanmoins quelques restrictions, puisque ce dernier n'est pas soumis à licence. Donc, comme il n'est pas soumis à licence, vous avez quelques fonctionnalités en moins par rapport à l'autre contrôle .NET. Je vais vous donner quelques exemples de fonctionnalités que vous n'avez pas. Précisément, au travers de ce contrôle .NET, vous n'avez pas la possibilité de générer des courbes XY et de superposer au tracé de cette courbe XY des enveloppes de façon à changer la couleur du tracé de la courbe lorsque la courbe elle-même sort de l'enveloppe de bon fonctionnement. Là encore, pardon, je fais une parenthèse. Dans le FAQ que vous recevrez en fin de semaine ou au tout début de semaine prochaine, il y aura une partie de consacrée justement à l'identification des restrictions sur cet objet-là. Et vous les retrouverez donc d'une manière très détaillée. Voilà un exemple de façon à matérialiser un peu plus concrètement les choses évoquées. Voilà un exemple d'intégration donc de ces objets contrôle ActiveX ou contrôle .NET au sein d'une application InTouch. L'objectif étant bien sûr de fournir à des opérateurs des interfaces simplifiées, certes dans certains cas minimalistes, mais simplifiées, au travers desquelles les opérations des opérateurs seront les plus limitées possibles. Et ce qui vous permettra également de développer des interfaces totalement personnalisées et là encore peut-être totalement adaptées aux différents profils des utilisateurs de cette application touch. On peut imaginer également une réexploitation des données d'historian
en dehors de la supervision et notamment au travers d'applications de bureau. Donc sachez que ces applications de bureau vous sont fournies au travers des outils d'historien client. Et la première application sur laquelle on va s'arrêter s'appelle Trend. Donc au travers de cette application de bureau, on va pouvoir suivre d'une manière graphique l'évolution d'une ou d'un ensemble de variables sur une échelle temporelle, tout à fait. Mais également, on va pouvoir générer des courbes de type X, Y, superposer des enveloppes de bon fonctionnement et bien d'autres fonctionnalités que j'évoquerai précisément dans la partie démonstration. Voilà pour la représentation d'une courbe XY au travers de l'application de Trend. Pardon, un point général également que je rajouterai sur la partie historian client, c'est que c'est un produit qui est localisé en 5 langues, anglais, français, allemand, japonais et chinois, et que cette localisation des différents outils associés s'effectue automatiquement en fonction de la langue qui est configurée au niveau de l'environnement Windows. Donc là encore, l'objectif est de fournir des interfaces les plus adaptées aux différents profils de vos utilisateurs. Alors, on a parlé il y a quelques instants de l'application Trend, qui est une application purement graphique, d'analyse de données sous forme graphique. Vous disposez d'une autre application intitulée Query, qui elle va permettre d'extraire les informations et les présenter dans un format tabulaire. Donc ce qui est intéressant derrière cette application, c'est qu'en fonction de différents choix que vous allez faire dans des interfaces, il y a une requête SQL qui se génère et qui va automatiquement extraire les informations par rapport à vos différentes demandes. Et on vous les présente dans un format tabulaire, tout simplement, sachant que vous allez pouvoir exporter ces données dans un fichier CSV et les réutiliser ou faire différentes manipulations ou remises en forme. Alors, autre élément fourni dans le pack Historian Client, c'est précisément un add-on qui vient se plugger automatiquement dans votre tableur Excel. Là encore, l'idée, c'est de vous permettre d'extraire et de générer des rapports depuis un outil commun utilisé de tous, donc qui est le tableur Excel. Et là encore, vous allez voir dans la partie démonstration, donc à partir du tableur, je vais extraire des données à partir d'un serveur Historian, notamment. Voilà, je pense que le mieux c'est d'aller vers une partie démonstration de façon à revoir tous ces points en détail. Et surtout, l'objectif de ces démonstrations est de vous montrer à la fois comment il est simple de mettre en œuvre un système d'historisation basé sur Historian au travers des applications InTouch et la rapidité également au travers de laquelle s'effectue cette configuration. Voilà, donc pour la partie démonstration, vous l'imaginez bien, il y a une application InTouch qui tourne en tâche de fond. Dans cette application InTouch, il y a un certain nombre de variables. Et l'objectif va être dans quelques secondes d'archiver l'évolution de ces différentes variables et de les stocker dans Historian. Et ensuite, bien sûr, d'utiliser les outils clients associés. Alors, un petit mot pour les personnes qui découvriraient totalement ce produit. On peut le rappeler, donc l'installation d'Historian Server nécessite en prérequis d'installer la base de données SQL Server qui vous est fournie de base dans le package. On fournit de base le DBD SQL Server en édition standard US. Vous pouvez nous demander librement, bien sûr, d'avoir en équivalent l'édition française SQL Server édition standard. Donc ça, c'est le prérequis d'installation. Une fois que vous avez installé cette base SQL Server, vous installez le produit et ensuite la base de données va être automatiquement configurée et totalement opérationnelle. À partir de là, vous retrouvez votre produit sur un serveur plugué, accessible dans une console qu'on appelle la console SMC, qui est une console de configuration générale pour l'ensemble des produits en Oracle. Donc vous retrouvez ça dans la section intitulée sur un serveur et dans une sous-section intitulée Status, vous allez découvrir en fait un panel au travers duquel on retrouve des informations générales associées à votre serveur Historian, à savoir depuis combien de temps il a été démarré, la taille de votre licence
Et dans la partie droite, l'ensemble des services associés à Historian. En fait, Historian est composé d'un ensemble de services, donc chacun fait le job qui lui a été assigné. Certains ont pour mission d'aller collecter les données sur les automates, d'autres ont pour mission de compresser les données. Et enfin, d'autres services ont pour mission de mettre à disposition des applications clientes les informations sollicitées. Dans la partie data acquisition, c'est dans cette partie-là que vous allez retrouver les différentes sources de données sur lesquelles Historian Server s'alimente. Donc tout à l'heure, vous allez voir une ligne supplémentaire qui en fait viendra matérialiser mon application InTouch sur laquelle on viendra collecter des informations. Alors, vous avez tous remarqué que dans la partie supérieure droite, il y a un compteur, il y a un chronomètre précisément. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous montrer la configuration. Je vais vous montrer comment on configure Historian pour archiver les variables d'une application InTouch. Mais je vais essayer de le faire d'une manière accélérée, sans apporter de commentaires. Dans un premier temps, le but étant de vous montrer qu'en moins d'une minute, peut-être 40 secondes, on effectue ce type de configuration. Je referai cette configuration avec vous, bien évidemment, pour qu'on s'arrête sur les différentes interfaces, qu'on apporte les commentaires adéquats, etc. Voilà, donc je vérifie que mon application InTouch derrière fonctionne. On va démarrer le compteur. Et démarrer donc la configuration de notre application InTouch. Donc là, j'ai simplement sélectionné le répertoire de mon application InTouch. Et je sélectionne assez rapidement, certes, les différentes variables dans mon application. On peut les filtrer, on le reverra tout à l'heure. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de valider toutes les informations que j'ai pu importer. À partir de là, vous voyez une ligne supplémentaire apparaître dans le panneau de contrôle d'Historian. Donc j'ai 19 variables qui sont actuellement historisées. Et maintenant, je peux aller directement dans l'outil train. Voilà, comme vous avez pu le voir, il nous a fallu moins d'une minute pour configurer donc un système Historian en vue d'archiver les variables d'une application InTouch. Voilà, ça c'était simplement pour le fun. Maintenant, je vais revenir avec vous. On va le faire à un rythme plus modéré. Voilà, je reviens dans une situation initiale, donc j'ai supprimé la configuration antérieure. Voilà, donc on va le refaire donc à une vitesse tout à fait normale. Alors, avant de démarrer donc avant de vous montrer cette partie configuration, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'importer des applications InTouch de versions antérieures et de versions totalement différentes. Imaginez dans une usine vous ayez un parc de multiples applications InTouch mais dans des versions très disparates. Des versions antérieures 10.0, 9.5, 9.0, 8.0, 7.11, etc. etc. Eh bien, le serveur Historian en version 2012.2 est capable d'aller collecter des informations sur ces multiples applications touch dans des versions très disparates. Précisément, on peut descendre jusqu'à des versions 7.0 d'InTouch. Voilà, donc on va démarrer tranquillement cette opération. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de pointer, c'est vers le répertoire d'une application InTouch. En pointant vers le répertoire d'une application InTouch,
on vient vous présélectionner un fichier qui fait référence à votre référentiel de variable Intouch, à ce fameux fichier TinyNamePoints. Vous sélectionnez le fichier, on vous rappelle le répertoire de l'application Intouch concernée. Et ensuite, vous avez la capacité éventuelle d'affecter en fait un préfixe ou un suffixe à l'ensemble des variables que vous importez. Si vous n'avez qu'une seule application Intouch concernée par la fonction d'historisation, il y a très peu d'intérêt de venir y mettre un préfixe ou un suffixe. Ça peut par contre, à contrario, s'avérer très pertinent lorsque vous avez de multiples applications Intouch et que parmi l'ensemble de ces applications Intouch, vous ayez des noms de variables qui soient communs sur l'ensemble de ces applications. Donc à des fins de gérer les doublons, vous allez tout simplement affecter librement un préfixe ou un suffixe pour chacune de vos applications Intouch. Voilà, comme je ne suis pas dans ce type de configuration, je ne prends pas en compte cette possibilité d'affectation de préfixe ou de suffixe. L'étape suivante va consister tout simplement à filtrer les différentes variables que vous souhaitez importer. À savoir les variables de communication intitulées plant.io, et là encore au niveau des variables de communication plant.io, vous pourriez les sélectionner en fonction des différents topics. Voilà, là encore, comme moi, je n'ai malheureusement pas une application qui est connectée physiquement à des automates, mais qui n'utilise que des variables internes, je vais sélectionner donc Plant Memory. Et en activant l'option suivante intitulée Memory Log Only, ça me permettra d'importer dans Historian Server uniquement les variables de mon application Intouch qui ont l'option intitulée Log Data. Au travers du panel suivant, vous allez tout simplement choisir un mode d'archivage. Le premier, intitulé cyclique, va permettre donc d'archiver les informations collectées de manière répétitive, cyclique, et vous disposez d'une fréquence qui va donc de 1 seconde jusqu'à 1 heure. A l'inverse, vous disposez d'un processus d'historisation de type événementiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la valeur de vos variables a changé au niveau d'Intouch, Historian récupère ces nouvelles valeurs et prend en charge bien sûr leur historisation. N'oubliez pas que dans ce cas de figure, et notamment sur les variables analogiques, et dans le cas où vous êtes dans un processus d'historisation de type événementiel delta, vous pouvez appliquer également des bandes mortes de valeurs et une bande morte de temps, de façon donc à filtrer l'archivage et à réduire indirectement le volume de l'archivage. Voilà, la configuration est terminée. On vous rappelle simplement le nombre de variables qui ont été sélectionnées par rapport aux différents critères ou filtres mis en place. Moi, j'en ai 19 de sélectionnés. Et la dernière opération qui me reste à faire, c'est de confirmer l'import de ma configuration au travers de la commande commit pending change. À partir de là, je retrouve mes différentes variables importées classées automatiquement dans des familles en fonction de leur nature, donc soit dans la section analog tags ou discrete tags. Alors, pourquoi je vous emmène dans cette partie-là? Tout simplement pour vous montrer que bien évidemment, une fois qu'on a importé l'ensemble des variables de son application Intouch, on a la capacité de modifier la configuration de manière unitaire sur chacune des variables. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du mode d'archivage, n'oubliez pas que tout à l'heure, moi j'avais choisi un mode d'archivage par défaut Delta, donc qui s'est appliqué à l'ensemble des variables importées, mais rien ne m'empêcherait sur la variable que j'ai présélectionnée de choisir un mode d'archivage de type cyclique. Voilà, autre point également, lorsque vous avez fait l'import des variables de votre application Intouch, on a de manière transparente pour vous importé les différents seuils d'alarme. Alors à quoi ça va servir? Vous le verrez là encore tout à l'heure dans l'outil train. Le fait d'avoir importé les seuils d'alarme va permettre de modifier le tracé de la courbe et de mettre en évidence que l'évolution de la variable atteint les différentes situations d'alarme.
Voilà, donc il en est de même au niveau des variables binaires. À tout moment, vous avez la capacité de venir modifier la configuration de chacune de vos variables. L'autre point que je rajouterai de façon à clore cette partie de configuration, vous disposez d'un utilitaire qui va permettre d'exporter la configuration dans un fichier CSV et de faire des modifications si besoin de manière répétitive et de réimporter cette configuration dans le système historien. Ces opérations d'import-export sont un petit peu à l'image de ce que vous connaissez très bien au niveau d'InTouch, qui sont les outils des Debian DBload pour importer et exporter la configuration des variables. Alors, ce que je vous disais également à l'instant, c'est que par défaut, lorsque vous faites l'import des variables, elles sont automatiquement classées dans des groupes prédéfinis en fonction de leur nature, donc appelée analog tag ou display tag, mais rien ne vous empêche, vous, de recréer une arborescence de façon à mettre en place un classement tout à fait différent, un classement basé sur une structure géographique, fonctionnelle et autres. Et vous allez pouvoir le faire notamment au travers de fonctionnalités qu'on appelle groupes privés et publics. Donc dans les deux sections que je viens de sélectionner à l'instant, intitulé public group et private group, vous allez pouvoir créer librement une arborescence et ensuite venir affecter les différentes variables de cette arborescence. Alors là encore, la finalité c'est quoi ou la pertinence? Eh bien cette arborescence que vous êtes personnalisé, vous allez la retrouver dans les outils clients, notamment dans l'outil train, qui va permettre là encore à un opérateur de faciliter sa tâche dans la sélection et dans la manipulation des variables. Donc plutôt que de sélectionner de manière unitaire chacune des variables dans les catégories initiales analog tag et discrete tag, l'opérateur a la capacité de sélectionner un des groupes de votre arborescence et de faire glisser le groupe directement dans l'outil train pour visualiser l'ensemble des variables. Voilà, donc là encore, c'est une fonctionnalité qu'il est intéressant et que je vous invite fortement à mettre en place, donc à développer une arborescence dans la partie public group ou private group, de faciliter là encore l'utilisation des outils clients et l'utilisation de la tâche de vos opérateurs vis-à-vis de ces outils clients. Alors, avant de découvrir précisément donc ces outils clients, je vais m'arrêter sur une fonctionnalité que j'évoquais d'une manière très rapide tout à l'heure, qui est la suivante. Donc, avec Historian Server, vous allez pouvoir mettre en place, d'une manière encore très simple, très rapide, des calculs de type agrégation, minimum, calcul d'un minimum, d'une moyenne, d'une étendue, d'un écart type, etc. Pour ce faire, vous allez dans la section intitulée Local Replication, et là vous allez choisir donc une fréquence à laquelle vous souhaitez implémenter donc des calculs. Alors effectivement, par défaut, on vous propose un certain nombre de fréquences, effectuer des calculs tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, etc. Mais bien évidemment, on a prévu de vous autoriser à créer des fréquences tout à fait personnalisables. Là encore, derrière, la manipulation et la mise en place de calculs d'agrégation est très simple. Une fois que vous avez sélectionné une échelle de temps, vous allez dans la partie Add Multiple Tags. Vous sélectionnez on vous affiche un browser au travers duquel vous retrouvez l'ensemble des variables importées dans votre système. Vous sélectionnez les variables et à partir de là, un calcul, donc dans notre cas, un ensemble de calculs dans notre cas s'effectuera toutes les 15 minutes et à la fin de chaque minute, on aura le résultat de la valeur minimum, maximum, l'étendue, l'écart type, etc. Et le résultat de ces informations, bien sûr, on pourra les exploiter au travers des outils clients. Donc là encore, vous voyez comment il est simple de mettre en place des calculs d'agrégation, peut-être à la fin d'une.
d'une équipe, hein, toutes les 8 heures, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, etc. Ok, voilà, là encore, faute de temps, bien évidemment, je ne peux pas balayer toutes les fonctionnalités au travers de cette console. Je vais me diriger notamment maintenant vers les outils clients. Donc la première application qu'on a évoquée tout à l'heure, l'application de bureau Train, elle permet donc... Elle permet de suivre un nombre illimité de variables de différentes natures analogiques, binaires, mais également chaînes de caractères. Voilà, c'est une particularité de la dernière version d'Historian Client 2012 R2. On peut suivre l'évolution de variables de type chaîne de caractères. Donc là encore, on pourrait me dire, oui, mais à quoi ça sert, comment ça va se passer, etc. Ça peut être intéressant, par exemple, pour matérialiser au travers d'un graphique le démarrage d'un batch, d'un lot. Donc si éventuellement dans votre application InTouch, vous avez une variable de type chaîne de caractères dans laquelle on vient mémoriser l'identité d'un lot, d'un batch, etc. Vous allez tout simplement demander à Historian d'archiver cette variable de type chaîne de caractères. Et ensuite, vous allez l'utiliser au travers de l'outil Train. Et lorsque vous aurez fait le choix de cette variable de type chaîne de caractères dans l'outil Train, elle va se matérialiser par un petit pictogramme qui viendra superposer sur le graphe, ce qui vous permettra de bien voir à quel moment, à quelle date et à quelle heure un batch vient de démarrer. Et donc de comparer le démarrage du batch par rapport à l'évolution des autres variables que vous avez associées dans le graphe. Voilà, là encore, derrière cet outil, vous disposez de multiples artifices pour assurer une présentation des courbes, soit dans une échelle commune à l'ensemble des variables ou dans des échelles séparées. Dans la partie inférieure, vous avez ce qu'on appelle une tag list dans laquelle vous retrouvez les différentes propriétés de chacune des variables, notamment l'échelle. Vous pouvez modifier bien sûr la couleur, l'épaisseur de la plume, le style de tracé. Alors moi je vais m'arrêter sur un paramètre qui s'appelle Time Offset pour essayer de vous donner un exemple d'utilisation. En fait, au travers de ce paramètre Time Offset, vous allez pouvoir comparer l'évolution d'un paramètre sur de multiples échelles de temps. C'est-à-dire par exemple comparer la température de mon réacteur à ce qu'elle est actuellement par rapport à ce qu'elle était hier ou avant-hier. Donc en définissant un offset négatif ou positif, vous allez pouvoir comparer un seul et même paramètre, mais sur des échelles de temps distinctes. Voilà, au-delà de ça, vous pouvez bien sûr exporter les données présentées dans le graphe dans un fichier CSV. Avec la commande save data, vous retrouvez ça dans un fichier CSV. Vous allez pouvoir, derrière, bien sûr, profiter de tous les artifices de présentation d'un tableur Excel. Accessoirement, au travers de l'application de bureau Train, vous avez la capacité d'envoyer votre courbe vers une messagerie. Donc l'idée, c'est que au mail et notamment au destinataire du mail, vous allez y joindre tout simplement la courbe. Donc ça peut être intéressant pour l'envoi d'une courbe sur laquelle peut-être vous avez placé initialement des annotations et vous cherchez absolument à ce que l'administrateur ou une personne sciemment habilitée récupère le plus rapidement possible cette information et mette en place les différents scénarios adéquats derrière. Alors, puisque je parlais à l'instant d'annotation, effectivement, vous avez cette fonctionnalité, hein, je pense que certains d'entre vous la connaissent. Elle permet donc, sur un clic souris, de venir appliquer une annotation. Sur l'une des courbes du graphe, et on peut faire en sorte également que cette annotation soit plus ou moins sécurisée, plus ou moins visible en l'associant à un groupe de nature publique ou privée. Voilà, je suis peut-être allé un peu trop vite tout à l'heure. Voilà, votre annotation se matérialise par un caractère spécifique, au travers duquel vous retrouvez la date et l'heure
positionnement bien sûr de cette annotation et le commentaire que vous aviez initialement associé. Voilà, le dernier point que je rajouterai sur cet outil, et encore je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a la capacité de générer des courbes XY et de superposer une enveloppe de bon fonctionnement. Alors, là encore, de façon à mieux vous aiguiller peut-être pour ceux qui chercheront à mettre en place cette fonctionnalité d'enveloppe de fonctionnement. Alors, une petite remarque. Cette fonctionnalité dite d'enveloppe de fonctionnement, elle peut être mise en place sur une courbe avec une échelle temporelle, mais également une échelle de type XY. Pour ce faire, pour définir une enveloppe de bon fonctionnement, vous devez simplement sélectionner une variable dans la partie tag list. Et ensuite, dans la partie Target Region, vous allez définir un ensemble de coordonnées XY qui définissent justement cette enveloppe de fonctionnement. Là encore, pour accélérer les choses, vous pouvez vous baser sur un fichier CSV qui contient cet ensemble de coordonnées XY définissant l'enveloppe de bon fonctionnement. Voilà, je vais m'arrêter là sur l'application BureauTrain. La simple chose que je rajouterai, ne l'oubliez pas, au-delà de l'application Bureau, vous disposez d'un contrôle ActiveX et d'un contrôle .NET pour une implémentation, notamment dans un projet de supervision. Autant pour moi, la dernière chose que l'on va faire et que je vais vous montrer au travers de cette application de bureau, c'est la capacité de publier un graphe vers le portail Web Information Server. Je vous en ai tellement parlé tout à l'heure du portail Web Information Server. On va aller jusqu'au bout des choses, donc on va faire en sorte de venir publier cette courbe dans laquelle on a 3-4 paramètres vers le portail Web. Donc deux types de publication, statique ou dynamique. La publication statique, c'est un petit peu comme si vous faisiez une photo, alors que la publication type dynamique vous autorisera une fois que vous allez retrouver la publication sur le portail, de stipuler différents critères de façon à avoir un graphe différent de celui de l'origine, notamment en spécifiant une échelle de temps différente, en sélectionnant des variables différentes, etc. Voilà. Là, à l'heure actuelle, je positionne différentes options de façon à ce que, justement, au niveau du portail, mon graphe publié soit totalement repersonnalisable, puisqu'on mettra à disposition différentes barres d'outils. Bien, on en parlait tout à l'heure, donc l'autre solution en termes d'exploitation de données, notamment en termes de génération de rapports. Alors c'est vrai qu'il faut quand même distinguer les deux choses. Là encore, l'application de Train est bien sûr dédiée à analyser des données et les représenter sous un format graphique. A contrario, la donnée Excel que l'on appelle typiquement Workbook, qui est pluguée automatiquement dans votre tableur Excel, et lui destiné à générer des rapports avec également la capacité d'aller les publier sur le portail. Donc, on va voir là encore qu'il est aisé de mettre en place ce type de rapport. Donc là encore, regardez bien pour ceux qui découvriraient totalement cette fonctionnalité. Après avoir fait l'installation d'Historian Client sur une machine, votre tableur Excel se voit enrichi d'un menu complémentaire intitulé Historian avec un certain nombre de commandes. Et la première opération que je vais faire, c'est de sélectionner mes variables de travail. Et ensuite, ça va être de générer un rapport, sachant qu'au niveau de ce rapport, je peux très bien aller relire uniquement les valeurs en temps réel ou les valeurs historisées. On a la capacité également d'aller extraire non pas les données archivées temps réel ou historisées, mais les données liées à la configuration de vos variables. Donc là encore, par manque de temps, moi je vais simplement aller vous récupérer les données historisées.
Donc la première opération à faire, c'est de sélectionner les variables de travail, la zone de destination à partir de laquelle on viendra générer le rapport, choisir un format d'extraction des données, à savoir est-ce qu'on veut faire une extraction en reprenant un mode cyclique ou événementiel, choisir un mode de classement et éventuellement exclure des données de l'extraction. Enfin, pour terminer à l'étape suivante, vous allez tout simplement sélectionner une échelle de temps absolue ou relative. Voilà, donc là encore, en quelques clics souris, en quelques minutes, je dirais 2-3 minutes, vous avez la capacité donc de vous générer un rapport, éventuellement de l'enrichir avec des données complémentaires. Et là encore, on peut le rappeler, au travers de l'add-on Workbook plugé dans Excel, vous avez la capacité de le publier vers le portail Web Information Server. Ok. Là encore, par manque de temps, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une autre application de bureau intitulée Query. Donc, assez rapidement, cette application de bureau Query permet d'extraire les informations dans un serveur historial, autant les données de configuration que les données historisées, que les données liées au calcul d'agrégation que j'ai prépositionné tout à l'heure, et de vous les afficher dans un format tabulaire. Voilà, vous avez tous remarqué qu'en fonction des différentes sélections que je peux faire dans différentes interfaces, il y a une requête SQL qui génère et qui extrait les informations et qui vient me les présenter dans l'onglet Data. Donc cet outil, on peut le rappeler, il est pertinent pour deux catégories d'intervenants. Des utilisateurs totalement novices du langage SQL, puisque la requête SQL est générée automatiquement et on présente les données dans un tableau. Le deuxième profil d'utilisateur, ce serait des utilisateurs aguerris du langage SQL dans le but de récupérer une requête et éventuellement de l'adapter et de la personnaliser pour des besoins un peu plus avancés. Voilà, là encore, le résultat des données affichées dans votre tableau, il est exportable dans un fichier CSV à des fins de travaux spécifiques. Dernier point pour compléter l'application de bureau Query. Là encore, au-delà de la fourniture sous forme de l'application de bureau, vous disposez d'un contrôle Activity et d'un contrôle .NET pour embarquer tout cela dans un projet de supervision type InTouch. Voilà, donc je vais prendre comme exemple l'utilisation de contrôle Activity, mais la démarche serait fortement similaire avec les contrôles .NET, à la différence près que les contrôles .NET, là encore, je me permets de vous le rappeler, ne sont utilisables qu'au travers des symboles graphiques et Orchestra. Donc, dans votre bibliothèque de contrôle Activity, vous retrouvez l'Activity Train Historian Client. Et derrière cela, vous allez pouvoir, au travers de différents scripts et de boutons complémentaires, fournir à vos opérateurs une interface totalement customisée et qui viendra changer, et dont la forme et les différentes fonctionnalités seront différentes en fonction de la personne qui s'y connectera. Donc là encore, la manipulation et la mise en place est extrêmement simple et à la fois rapide.
puisqu'il vous suffira d'aller browser les différentes méthodes et propriétés de l'ActiveX concerné, à savoir histotrain, et de choisir donc la méthode ou propriété que vous souhaitez mettre en place. Donc moi j'ai choisi de faire apparaître ou disparaître ce qu'on appelle le time picker, c'est-à-dire le browser de dans la partie gauche, et au travers d'un autre bouton, je vais faire apparaître ou disparaître la tag list, c'est le panneau dans la partie inférieure du graphe qui affiche l'identité de chacune des variables avec les échelles, les unités de mesure et autres. De la même manière, on est capable de faire apparaître ou disparaître la barre de menu dans la partie supérieure, de la même manière l'échelle de temps. Absolument toutes les fonctionnalités sont customisables au travers de méthodes et propriétés spécifiques. Alors, voilà, je termine la configuration. Voilà, donc absolument tout est personnalisable de façon à fournir donc des interfaces spécifiques à chacun de vos opérateurs. Bien, voilà pour. Là encore, l'objectif, c'était de vous donner l'idée de l'intégration donc des solutions clients d'Historian au travers d'un projet de supervision de Touch. Alors, dernier point. Pardon, dernier point tout à l'heure, donc je vous ai parlé un certain nombre de fois du portail, donc on va quand même aller jusqu'au bout des choses. Vous avez bien sûr tous remarqué que dans l'arborescence du portail, vous retrouviez une arborescence associée aux outils clients d'Historian. Voilà, et de la même manière de ce qu'on a pu faire dans l'application de BureauTrain, vous pouvez le refaire depuis un poste et simplement équipé d'un navigateur internet. On a parlé également de publication de rapport. Je rappelle que la fonction de publication de rapport, vous pouvez l'effectuer depuis l'application de BureauTrain, ainsi que depuis la donne Workbook plugée dans Excel. Donc nous, de mémoire, je crois, voilà, donc je retrouve exactement le rapport que j'avais publié depuis mon application Train. Et de la même manière, si j'avais fait la publication d'un rapport statique depuis la macro Workbook, je la retrouverai dans la section donc intitulée ici Static Report. Ok, voilà, là encore, je suis toujours désolé du temps qui passe absolument très vite et de la frustration de ne pas pouvoir forcément aller très loin dans certains détails où vous montrez toutes les fonctionnalités du produit. Donc on va maintenant passer à cette partie classique de questions-réponses. Alors, je prends une des questions qui a été postée. Et la question est la suivante. Est-ce qu'un IDAS en version 9.0 sur un poste client doit être réinstallé en version 2012? Et est-ce que Historian 2012 R2 est compatible avec IAS 3.1?
Alors, on va répondre dans l'ordre aux deux questions. Si vous aviez initialement un IDAS en version 9.0 et que vous mettez à jour votre historien de serveur en 2012 R2, il faudra également mettre à jour l'IDAS 10.100. Ok, donc pour ceux qui auraient déjà un système historien existant dans une version antérieure, et précisément avec 10 IDAS 10.100, il vous faudra mettre à jour votre serveur historien et les IDAS 10.100. Alors, je prends. Alors, une autre question également qui est la suivante. Y a-t-il la possibilité en fait de mettre en place des rapports en se basant sur la solution Microsoft Reporting Services? Oui, tout à fait. Vous disposez du portail Information Server et de certaines fonctionnalités qui sont absolument prêtes à l'emploi, qui sont volontairement prêtes à l'emploi. Mais si vous avez des besoins là encore très spécifiques, rien ne vous empêche de développer vos rapports en vous basant sur la solution Reporting Services et de les exploiter depuis le portail Information Server. Alors, il y a une question qui fait référence à l'import que l'on a pu faire tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, lorsque l'on a fait l'import de la configuration de l'application InTouch, et précisément des variables, je vous ai dit qu'on importait également les conditions d'alarme, c'est-à-dire les valeurs, notamment des seuils, de façon à matérialiser graphiquement ces seuils au niveau de la courbe et à changer la couleur du tracé lorsqu'on a atteint les différents seuils. Et la question posée donc me demande s'il y a d'autres propriétés qui sont importées au-delà des conditions d'alarme. Ah, pardon, d'accord. Alors la question est un peu plus longue que cela. Elle concerne effectivement les seuils d'alarme. Et la question posée est la suivante. Qu'est-ce qui se passe si on modifie les seuils d'alarme dans InTouch? Est-ce qu'on retrouve les nouvelles valeurs dans le serveur historien? Alors, la réponse est la suivante. Lorsque vous allez faire des modifications au niveau des variables de votre application InTouch, soit créer de nouvelles variables, soit modifier les propriétés existantes de vos variables, à savoir modifier les échelles, modifier la bande morte, modifier les seuils d'alarme, etc. Il vous faudra effectivement revenir dans la configuration, dans la console de configuration d'Historian, et je vais vous montrer ce qu'il faut faire exactement. Voilà, pour prendre en compte les différentes modifications apportées, soit sur la création de nouvelles variables ou la modification de variables existantes, vous revenez dans la console de configuration, vous faites un clic droit, vous activez la commande Import Tag. Là, dans le panel qui vous est présenté, vous retrouvez l'identité de l'application Touch que vous aviez initialement configurée. Et vous allez tout simplement activer le pavé, le bouton intitulé Delta Import, Delta Réimport. Et là, en fait, le système va se préoccuper de ne réimporter que les nouvelles variables créé dans l'application InTouch, ou les variables sur lesquelles il y a une modification de la configuration. Et donc, dans ce cas de figure, vous allez récupérer, si on revient à la question précise qui a été posée, vous allez de manière implicite récupérer les nouvelles valeurs de seuil d'alarme modifiées. Donc, pour répondre d'une manière plus synthétique, oui, on peut récupérer les modifications apportées sur les variables InTouch, mais le processus n'est pas automatique entre InTouch et Historian. Il vous faut repasser par la console de configuration et activer une commande qui s'appelle Delta Réimport.
Alors une autre question, une autre question. Comment Historian communique avec InTouch? Donc je répète la question, comment Historian Server communique avec InTouch? Alors je vais peut-être faire une réponse plus générale et revenir à un point que j'ai évoqué en tout début. Classiquement, lorsque vous allez configurer Historian, vous allez faire en sorte qu'il collecte les informations non pas au niveau de l'application InTouch, mais directement sur les différentes solutions de communication qui sont associées à votre application InTouch. Donc Historian, il ira collecter des données sur des DAS serveurs en horaire, sur des drivers de communication type top server ou éventuellement une carte apicole. Ça, c'est ce qui va se passer dans 99% des cas et c'est ce qu'on vous préconise, puisqu'il vaut mieux aller au plus près de la source pour récupérer les informations dont on a besoin. Rien ne vous empêcherait néanmoins de configurer Historian de façon à ce qu'il aille collecter les données, non pas sur les drivers de com, mais directement sur l'application InTouch. Il peut le faire naturellement, il le fera notamment au travers du protocole WandaWire qu'on appelle Switching. Ou on pourrait le faire également au travers du protocole OPC, si on avait installé bien sûr sur la machine cette fameuse passerelle WandaWire qu'on appelle AFS Gateway. Donc, pour résumer les choses, Historian Server est capable d'aller collecter des données directement sur une application InTouch au travers de deux protocoles distincts qui sont les protocoles Switlink et FS Gateway. Dans le cas de Switlink, vous n'avez aucune manipulation et opération particulière à effectuer. Si vous souhaitiez passer en OPC, il vous faudrait simplement installer cette fameuse passerelle FS Gateway. Alors, je regarde d'autres. Alors, une autre question qui fait référence, là encore, à quelque chose de classique et général, en termes de compatibilité. Est-ce que Historian 2012 R2 est compatible avec un projet Arcastra Sim Platform 3.1 la réponse est oui. La réponse est oui. Là encore, pardon, classiquement, dans le PDF que je vous enverrai en tout début de semaine prochaine, je vous mettrai une grille de compatibilité qui précisément va vous dire pour un produit donné, notamment si on prend le cas d'Historian 2012 R2, on va vous dire quelles sont les versions antérieures qu'il est possible d'activer au travers de la licence 2012 R2. Et précisément, si on prend le cas d'Historian Server, je vous dirais que une licence Historian Server 2012 R2 est capable d'activer les produits Historian dans des versions antérieures jusqu'à la version 9.0. Donc vous aurez une matrice très synthétique de la compatibilité des licences par produit vis-à-vis des versions antérieures des logiciels. Voilà, là encore, je vous dis, je suis désolé, faute de temps, on a en plus dépassé notre quota. Je vous remercie donc toutes et tous d'avoir suivi ce Webex. Donc, comme promis, vous recevrez en tout début de semaine prochaine le FAQ. Donc, très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous pour un futur Webex dans les semaines à venir. Merci, au revoir.